faire. J'ai préparé un petit communiqué pour que vous soyez hein. Bon, mais je vais vous les enregistrer. Et c'est une prolongation du mandat de dépôt. Hein. Ça vient tous les 6 mois. Alors, ça sera sans doute plus long. Je rappelle que Carlos est d'abord un combattant révolutionnaire communiste. Ça a été beaucoup critiqué. La façon dont je l'ai présenté, je considère qu'on est en droit de dire qui il est. Il est aussi musulman. Et c'est pour ces raisons qu'on lui a refusé le droit de faire appliquer les lois françaises. Il y a deux choses. La première chose, c'est que nous contestons sur un nouveau moyen de droit les conditions de l'arrestation. Et ça pollue, ça vicie, ça infecte toute la procédure qui a suivi. On a raconté à tort que la Cour de cassation avait déjà tranché, c'est faux. Je dis qu'aujourd'hui, je suis heureuse et fière de défendre quelqu'un comme Carlos, comme je l'aurais fait en 1942 pour défendre les Juifs. Après, j'étais très très fâchée contre la télé. Ça a été tout à fait inéquitable et partial. Hein ?